Enfin, si vous rêvez de vivre jusqu'à 100 ans, vous allez envier Marcel. Modèle de longévité pour ses proches, elle est très respectée sur son île. Marcel Gauguier-Claret célèbre aujourd'hui ses 100 ans d'existence et devient la doyenne de Maupiti. À 100 ans de vie, ce sont alors de nombreux souvenirs à partager autour d'un repas très convivial. Mélodie Ouhila Mouafa et Patita Savia. Gratitude infinie, Marcel Claret célèbre la vie aujourd'hui avec les siens. 4 générations ici représentées parmi ses amis et ses proches. Un siècle de vie, l'émotion est vive pour Michel qui retrouve sa mère adoptive après des années de séparation. C'est une mère exemplaire, remplie de tendresse et de sagesse. Une femme courageuse dans la vie de tous les jours et aussi dans la vie religieuse. C'est une gentille femme. Voilà. Le travail qui ne va pas, elle n'aime pas. Elle gronde tout le monde. C'est comme ça, comme elle est dans le travail des femmes. Marcel Gauguier est né le 27 octobre 1922 à Maupiti. Elle y a vécu des années avant de venir sur Tahiti avec son époux et ses 5 enfants. Une vie bien remplie pour la doyenne de Maupiti. Depuis un an, elle vit désormais dans un centre pour Matahiapo afin d'y être suivie. Et tous les jours, elle rend grâce pour la vie. Je suis très heureux de recevoir cette date, 100 ans. C'est quoi le secret pour arriver à 100 ans? Il n'y a pas de secret. Vraiment. Je crois, quand je mange le maa, j'aime bien le maa tout le temps. Beaucoup de joie, hein, beaucoup de joie. Et pour elle aussi, hein, elle voulait atteindre ces 100 ans-là, elle a atteint. Hein. Elle a atteint ses 100 ans et puis toujours bien dans la tête, quoi. Hein. Et moi, j'ai 67 ans aujourd'hui, elle me dit, tu vas vivre 100 ans aussi, ça va être dur. Hein. En tout cas, Marcel nous a montré la voie, un mode de vie sain et surtout beaucoup, beaucoup d'amour. L'information en continu sur Polynésie la Première, Internet et réseaux sociaux.